Trois choses qui viennent à toi dans les semaines à venir. Sois attentive, attentif et laisse-toi porter. C'est Sabrina de la page du ciel à la terre. 89 000 sur Facebook, 302 000 sur TikTok. 11 000 sur Insta et 17 000 sur YouTube. Je le répéterai mieux de la vidéo, comme ça, si on nous la vend, si on nous la prend, pour le goût, ça ressortira. Ok. Pour certains d'entre vous, on sent que, alors, pour les non-mariés, j'ai envie de dire, ceux qui ne sont pas en couple, célibataires ou en séparation, ou je ne sais pas quoi, il y a, de toute façon, on voit qu'il y a le silence et la distance, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Et il y a un homme, homme ou femme, qui arrive vers toi. On est encore sur la période d'hiver, donc on y est encore. Une personne qui a déjà des yeux sur toi, qui regarde un petit peu ce que tu fais sur les réseaux, ou peut-être que tu commences à côtoyer. En tout cas, cette personne est une personne qui a un fort caractère, en tout cas qui émane quelque chose d'assez fort. Qui va, en fait, t'écrire, te proposer quelque chose, une sortie dans un pub, ou bien au resto, ou peu importe, en fait. Cette personne va oser venir vers toi, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui peut peut-être être fait. Ça peut être une personne de ton passé, aussi. Mais en tout cas, ça m'indique que vous êtes célibataire, véritablement. En tout cas, ça n'inclut pas quelqu'un qui est déjà en couple. On voit que cette personne arrive dans ta vie parce que tu as bien travaillé quand même au niveau de tes blessures, de ton ancienne relation. Ça y est, c'est acté. Tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller de l'avant. Donc, ce qui vient à toi, première chose, une nouvelle personne arrive, en tout cas. Quelqu'un qui vient à toi, qui a vraiment envie d'échanger et de partager des choses simples avec toi. On parle de l'ami. Ça veut dire que c'est aussi pour moi quelqu'un avec qui tu avais une certaine... une certaine complicité, une personne avec qui tu pouvais facilement échanger, quelqu'un qui a aussi suivi un petit peu ce qui s'est passé pour toi ces dernières semaines, voire ces derniers mois émotionnellement, dans tes amours. S'il vous plaît. Il y a aussi... Alors, en fait, ça englobe pour plusieurs choses. Pour ceux qui sont peut-être en séparation, et qu'on galère un petit peu au niveau du divorce, au niveau de tout ça, on voit aussi qu'il y a, ça y est, les papiers sont en train d'être faits, il y a un déménagement. Si tu voulais déménager, il y a quelque chose qui se met en place. Et là, on est plus au niveau, clairement, dans 3 mois, à partir du moment où tu vois cette vidéo. Cette personne, en fait, ton déménagement va être poussé par une personne que tu connais, plus du genre féminin, qui va venir vers toi pour te dire « Tiens, j'ai entendu parler de telle maison qui était dispo. Est-ce que du coup, tu n'as pas envie de t'y positionner ?» Ça peut être aussi ton conseiller financier de ta banque qui va valider ou pas ton crédit IMO. En tout cas, on te parle de valeur d'argent. Donc, soit tu vas avoir suffisamment mis d'argent de côté pour pouvoir te lancer dans une autre habitation, pour pouvoir partir d'un nouveau départ. Ou bien, effectivement, c'est... l'envie d'achat immobilier et que jusqu'ici, c'était un petit peu chaud patate. Et on te dit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui se met en place. Deuxième chose. Donc, en fait, ça bouge relationnellement. Ça bouge au niveau financier et matériel. On est enfin sur une phase de nouveau départ. Ok. Et en plus, on parle de création. Ça parlera pas à tout le monde. Peut-être une envie de donner la vie, de nouveaux projets professionnels, projets personnels. En tout cas, on te parle véritablement de nouveaux départs pour toi dans ces prochaines semaines. Peu importe, en fait, là, j'ai envie de te dire, c'est vraiment en train de te dire que peu importe la problématique, peu importe la difficulté que tu rencontres, on est vraiment en train de te dire, hey, mais regarde, ouvre les yeux, parce que ce qui était ne sera plus et on va... en fait, aller sur une nouvelle relation, un projet professionnel, un projet plus immobilier. En tout cas, on est vraiment en train de te dire, voilà, on t'ouvre les portes, maintenant, laisse-toi porter. Tu as aussi droit à ta part de bonheur.
T'as assez pris, t'as assez galéré, t'as assez expérimenté. Donc clairement, on te dit oui, clairement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour toi, professionnel, immobilier, relationnel. En tout cas, t'es vraiment à l'aube d'un nouveau départ, quelle que soit la sphère qui t'interpelle. Un divorce qui est un petit peu compliqué, une séparation compliquée, on te dit que ça aussi, ça va se régler avec le temps. Tu vas pouvoir récupérer une certaine stabilité émotionnelle, une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient dans ta vie. Parce que bah, du coup, elle se sent poussée à venir vers toi et à te faire une proposition pour peut-être aller prendre un verre ensemble. Un nouveau projet professionnel, pourquoi pas? En tout cas, tu es à l'aube de véritables changements. Laisse-toi enfin l'opportunité d'accéder au bonheur qui est le tien. Pourquoi s'interdire d'être heureuse ou heureux? Parce qu'on ne se sent pas légitime de. Ça, ce sont de fausses croyances, des croyances limitantes. Tu peux avoir droit aussi à ta part de bonheur. Même si tu es en relation sacrée, cela ne t'interdit pas non plus de faire une nouvelle rencontre qui, elle, va aussi t'apporter quelque chose de positif pour ton avancée personnelle. Donc, j'ai envie de te dire, laisse-toi surprendre en fait. Souris à la vie, garde un petit peu cette folie que tu as en toi pour te dire, mais et pourquoi pas en fait? Et pourquoi pas, j'avais pas le droit non plus à cette petite part de bonheur que je peux aussi mettre en place. En tout cas, on est plutôt sur une note plus que positive.